Bonjour à toutes et à tous, ici Bob de la chaîne Bob et Denis, en compagnie de Denis. Denis de la chaîne Bob et Denis, c'est moi Denis de la chaîne Bob et Denis. Aujourd'hui, on a essayé de vous proposer un concept un peu original comme d'habitude. Novateur, inédit en France. Alors on va faire une... Bon, il a actuellement... je sais pas quelle heure il est chez vous, mais à Abidjan, il est actuellement 4h35 du matin. Et là, on est absolument mort. On vient de faire une tournée des Zéniths à Abidjan. Les Zéniths de Abidjan. Oui. Les Zéniths de Abidjan. Et on a décidé, pourquoi pas, de faire un petit podcast en étant absolument intoxiqué. Pas par rapport à la drogue, mais par rapport à la fatigue. Et par rapport au fric qu'on fait. Parce que ça commence à devenir un peu saoulant de faire autant de billets. Je te laisse un peu parler, Denis, parce que je suis un peu fatigué. C'est vrai que en ce moment là on travaille sur plein de projets en même temps. Comme on vous avait dit, week-end très chargé, là toujours à Abidjan, hein. Demain on partira au Caire, ensuite à Alexandrie. Ensuite on va remonter le Nil pour aller plus loin en Égypte. On va voir tout ce qui se profile à l'horizon pour nous. J'espère qu'on m'entend bien parce que depuis tout à l'heure je parle un peu doucement. Non mais de toute manière on va compresser, t'inquiète pas, y a pas de souci pour ça. Ouais. Excuse-moi, je suis pas dans la partie technique, moi je suis plutôt administrateur. Voilà, t'es plus dans le caractère. Je suis voilà. Bon, alors pour faire passer un petit peu le temps, on va parler de les postes qu'on occupe respectivement dans l'industrie Babeny. Dans l'industrie Babeny, voilà. Alors, je te laisse commencer vu que tu proposes. Très bien. Alors moi je suis PCA, président du conseil d'administration. Je préside face à... Bon, comme notre Bob et Denis, c'est une firme transnationale. Hein. Effectivement. On a plusieurs départements. Moi, je préside le conseil de l'entreprise générale. Après, il y a les différents départements. On a environ 18 pays. Les 18 pays les plus importants, la France, la Norvège, Dubaï, l'Égypte aussi notamment. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Le Guatemala, Sainte-Lucie. Beaucoup de gens voient des beaucoup de déplacements de notre part. C'est surtout des déplacements professionnels, notamment parce qu'on doit aller voir les différents départements, les différents secteurs de production pour s'assurer que tout va très bien. Et là, on est dans le secteur d'Abidjan, donc en Égypte. Le secteur le plus prolifique de la chaîne, vu que là il y a environ 5 ou 6 vidéos qui sont sorties à l'heure où on vous parle. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est des petits béninois qui font le taf pour nous et franchement c'est pas mal. Franchement on aime la production, on aime tout ce qui touche à l'argent, à la it's... miam. Great. Alors, là, ça fait que 3 minutes 34 que vous nous écoutez. Si vous nous écoutez, bien sûr, parce que bon, on sait que tout ce que vous êtes des putains de fils de pute qui font que passer leur temps à écouter Marshall Youth et dire ah, les trois en forme, c'est le seul son que vous avez fait. On a fait 43 sons, hein, dont franchement, vous devriez aller écouter Segunda aussi. Segunda que finalement on pourra pas mettre sur Spotify. Par rapport à la plateforme Spotify qui sont des fils de pute. Donc voilà, et Grit, j'ai envie de vous dire. Moi, en ce qui concerne le domaine de Spotify, je déteste profondément cette entreprise. Ce sont des véritables grosses merdes de chiens. C'est quoi encore c'est Suède, non? C'est suédois, je crois, Spotify. Si je dis pas de conneries, ce qui m'arrive très peu souvent, notamment parce que je suis Jeff Bezos. Je suis Jeff Bisou. Vous avez compris ma blague. Ah, ouais. C'est vraiment... La France, c'est vraiment un beau pays. C'est vrai que... Mais, on n'est pas à l'abri de se faire traîner sur 800 mètres. Malheureusement, ça c'est terrible. Mais là, il y a la Tour Eiffel. Donc ça va. C'est pas mal. Il y a la Tour Eiffel, il y a quoi? Il y a l'Arc de Triomphe, c'est pas mal aussi. Il y a les bouchons. Il y a le rond-point des Champs-Élysées qui est un calvaire. Je parle en connaissance de cause car je fais traîner mon Brabus de temps en temps aux Champs-Élysées pour affecter la victoire de nos 33 000 vues
fois 1 million, bien sûr, nos 33 milliards de vues sur la vidéo PSG Galatasaray. Après, on est dans tout ce qu'il dit. Oh putain, je me fatigue. Ça fait que 5 minutes, mais franchement, pour nous, ça nous paraît comme une éternité. Hein. Mais. Dis bye. Pourquoi? Bye? Home. Mais... C'est quoi les bye? Tu crouvias? Donc. Donc, les amis, je pense que ça va partir sur une petite. Petite berceuse. Une petite berceuse pour vous. Alors voilà, on a fait une berceuse. Je vais me relever un peu pour me rapprocher du micro. Vous pouvez mieux percevoir la berceuse. Non. Je suis un animal qui ne demande qu'à être déchaîné. Préparez-vous. Préparez-vous à dormir paisiblement ce soir. Donc je vous laisse écouter la berceuse. Il nous chante du coup la berceuse. Non, plus du coup. Ok, Mickey, plus non plus, nous va improviser. Bob. Attends. Avant toute chose. Bob et Denis. Te souhaite. Donc voilà, on va vous interpréter. On va vous interpréter notre son. Ah, c'est beau. Ah, c'est pour tuner la guitare. Une fois, de très humbles villageois partant à la recherche du joyau perdu. Ce joyau, c'était l'amour. Jamais ils ne purent le trouver, car bye.